Corsica Ferry pour aller à Majorque, pour nous, c'était génial. On part de Toulon le soir avec sa voiture et au matin, on débarque à Alcúdia, au nord de l'île. À peine débarqués, nous voici devant les beaux remparts qui entouraient Alcúdia. Au XIIIe siècle, il fallait se protéger contre les incursions des Maures que l'on venait juste de chasser de Majorque. Du chemin de ronde, vu sur la vieille ville. Et dans l'église à la façade austère, magnificence des retables et des peintures sacrées. Pour découvrir la Serra de Tramuntana, qui occupe la partie ouest de Majorque, nous avons choisi de loger à trois endroits, à Saraco au sud, à Solière au centre et à Pollença au nord. À Saraco, petit village tranquille, notre maison est tout à fait rustique. Nous partirons souvent de Saint-Elme, à 3 km de là, pour découvrir une côte très sauvage, avec vue sur la silhouette toute hérissée d'écailles de Savragonera, l'île du dragon. Randonnée du vertige. Exubérance des jardins méditerranéens. Mais dans la montagne ne poussent que des pins et des palmiers nains. Une de nos balades nous conduit à la Trappe. Là, face à l'île du dragon, les moines trappistes qui partageaient leur temps entre la prière et le travail ont construit ces monumentales terrasses de pierres sèches. Ces terrasses sont irriguées par un impressionnant réseau de mines d'eau. Des galeries horizontales qui vont chercher l'eau au cœur de la montagne. Aujourd'hui, une petite navette nous conduit à l'île de Savragonera, dont la silhouette a accompagné presque toutes nos balades. En bas de l'île, des champs cultivés. Mais très vite, le chemin grimpe dans la garrigue. Face ouest, des falaises verticales. Nous monterons au sommet de l'île, à la tour Napopia, un point stratégique pour surveiller le trafic maritime. La tour n'est plus en service, mais les pirates n'ont qu'à bien se tenir. Les mini-dragons sont encore là et font le guet. Pour nous changer de la Tramontana, nous voici aujourd'hui à Palma. Visible de toute la baie, la cathédrale gothique, une des plus hautes d'Europe, est le symbole de la ville. Il a fallu près de 3 siècles pour construire cet édifice colossal. Et à l'intérieur, illuminé par 7 rosaces, une forêt de hautes colonnes. Touche de modernité, la chapelle Saint-Père
décoré de motifs marins par Michel Barcelot. Juste à côté de la cathédrale, le palais de l'Almudaina. Occupé pendant 400 ans par les Maures, Palma n'a gardé que ses bains arabes pour tout vestige. Beaucoup de touristes à Palma, qui mitraillent à tout va. C'est le quartier moderniste, aux étonnantes façades Art Nouveau, qui attire le plus de monde. Miró s'installa à Palma en 1956, à Sambotter, dans une pinède dominant la mer. Son ami, Joseph Luis Sert, l'architecte de la Fondation MEG, lui construisit un atelier moderne où il travaillera pendant 30 ans. Depuis 1992, les œuvres de Miró sont magnifiquement mises en scène dans le musée, œuvre de Raphaël Moneo. Pour remonter vers Solières, la route très sauvage surplombe la mer. Halte au-dessus de Bagnal Bouffard, où des terrasses spectaculaires sculptent le relief. Construite au Xe siècle par les Maures pour cultiver le raisin malvoisi, 1000 ans plus tard, elles sont toujours debout. Agréable promenade sur le chemin du Général. Une belle piste au milieu des pins. Et ben, sur une plage de galets. Soyères, une petite ville traversée par un antique tramway au wagon de bois. Ce tramway, qui séduit les touristes et les mène à un charmant petit port, a eu d'abord un intérêt économique. Grâce à lui, depuis 1913, les oranges cultivées dans la horta de Soyères furent acheminées plus facilement jusqu'au bateau qui les transportait jusqu'au sud de la France. Maintenant, Porcelières est un bel endroit où profiter de la mer. Blotti dans un cirque de montagne, Solières a dû sa prospérité à ses jardins plantés d'orangers, carrosses, bassins et minuscules rigoles. Notre maison est dans cette horta. Et à pied, nous allons découvrir les environs. Je lis la voir à Bignarès. Mais dès qu'on s'élève dans la montagne, on pénètre dans un univers minéral. Un chemin muletier ponctué de marches monte au col de l'Offre et dessert des terrasses impressionnantes. Et sur ces terrasses, des oliviers tourmentés résistent depuis des siècles. Let's spread our wings and fly away. Surround you in love, that's beauty, love.
plongeante sur les gorges de Biñares, où malgré une année bien sèche, l'eau coule encore. Et descente par les gorges. Et dans ces gorges abruptes, les hommes ont trouvé le moyen de planter des oliviers. Juché sur une hauteur, le beau village de Fornalutx domine le bassin de Soyer. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Et à Fornalutx, on monte et on descend au hasard des rues. Et on va savourer un jus d'orange à l'ombre des platanes. Nous rejoindrons Biñares par des chemins de campagne. Porche baroque pour les jardins d'Alfabia, un domaine où l'eau fait des merveilles. Petite rigole. Fontaine murmurante. Et immense citerne. Folie à l'italienne, une pergola où l'on peut activer des jeux d'eau pour rafraîchir l'atmosphère. Et plus loin, à l'ombre des palmiers qui tamisent la lumière, un bassin à l'anglaise, miroir du paradis. De l'eau dans un pays trop sec, un écrin de rêve pour un palais où abondent les souvenirs d'un autre temps. La route qui descend à Sacalobra, la couleuvre, et la plus spectaculaire de Majorque. Au col de Reis, elle tourne sur elle-même à 270 degrés pour faire un nœud de cravate avant d'enchaîner des lacets ahurissants. ~700 mètres de dénivelé dans un paysage sauvage. Puis, on plonge dans le grand bleu. On emprunte deux petits tunnels creusés dans la roche et surprise, on débouche dans un site
des plus grandioses. C'est le torrent de Pareis qui s'est creusé ici un chemin entre les falaises. Nous avons de la chance, hors saison, la plage est déserte. Nous allons maintenant nous aventurer dans le lit du torrent pour pénétrer dans les gorges. Très vite, il faut contourner des vasques profondes et escalader. Le canyon se resserre. Et enfin, le boulet de canon nous oblige à faire demi-tour. Farniente et bain sur la plage de Calatwent. À Majorque, si on marche un peu, on découvre des merveilles comme la Cala de Deia. Un bain délicieux, mais c'était trop tôt pour le repas. En 1867, l'archiduc Louis Salvador d'Autriche eut le coup de foudre pour San Marog, qui devint son port d'attache. Ce jeune prince, voyageur au long cours, était aussi un scientifique éclairé et un amateur d'art. Il fit construire cette logis à l'italienne et ce temple grec pour contempler la mer 300 mètres plus bas et la presqu'île de Saforada, la roche percée. Une bonne piste nous mène à la roche percée. Encore une belle balade. Incontournable sur la route de Polienza, le monastère de Lluc. C'est un lieu de pèlerinage très couru et une étape pour les randonneurs venus se perdre dans un désert de pierre. Pas souvent le temps de buller ou de profiter de cette belle terrasse. On est toujours en vadrouille. Aujourd'hui, ce sera le Cap Formentor, une péninsule de 20 km tout au nord de l'île. Halte d'abord au Mirador d'Escolomer, qui nous offre une vue grandiose sur la péninsule toute hérissée de falaises. Cette péninsule, on ira aussi la contempler depuis le Talaya d'Albercouch, une ancienne tour de guet. Pas de pirates en vue, mais des chèvres sauvages. Falaise abrupte, vue sur des criques inaccessibles et virage au bord du vide avant d'arriver au phare. Pique-nique à la Cala Murta, où les chèvres s'invitent à notre table.
Après le bain rituel, nous grimperons au petit belvédère du Castellet pour une photo souvenir. Dernière balade à Majorque. Nous partons d'Ermita de la Victoria pour une boucle sur la péninsule d'Alcudia. Sentier en corniche assez spectaculaire et grimpette jusqu'à la Talaya d'Alcudia, un nid d'aigle à 440 mètres d'altitude. Il ne reste pas grand-chose de la tour, mais quelle vue magnifique !